Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver toujours dans le cadre de ce plateau délocalisé pour parler de ce colloque gouvernemental de la fonction publique à l'heure de la transition. Et nous avons comme invité Madame le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Madame Louise Boukandou Moussavou. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Alors Madame le ministre, un colloque de plus, je n'aimerais pas dire est-ce que c'est un colloque de trop, mais vous allez nous dire quels sont les objectifs de ce colloque ou quels ont été les objectifs. Je ne dirais pas un colloque de plus ou un colloque de trop, tout simplement parce que c'est une initiative du Premier ministre chef du gouvernement de la transition. C'est le premier en ce genre qui réunit autour de la table les ministres de la République pour pouvoir communiquer sur les actions menées par les différents départements ministériels et plus précisément par le ministère de la fonction publique en termes de régularisation. La fonction publique qui a un rôle central, peut-être l'occasion un an après le début de cette transition de nous faire le bilan d'étape. Oui, c'était même justement l'objectif visé. Très bien. Celui de vulgariser le travail abattu par le ministère dont j'ai la charge, parce que pour le commun de mortels, quand j'entends par commun de mortels, l'agent public. Pour l'agent public, il n'y a pas eu de régularisation, rien ne s'est fait. Alors, pour dire le contraire, qu'est-ce que Madame le ministre répond à cela? Je voudrais commencer par le début. Ce que je peux dire, c'est que je souhaiterais dire aux agents publics de l'État de faire une distinction entre une régularisation administrative et une régularisation financière. Le ministère dont j'ai la charge s'occupe de la régularisation administrative des agents de l'État. Très bien. C'est-à-dire la prise des actes de carrière des agents de l'État, carrière et emploi. Mon collègue de compte public s'occupe de la régularisation financière. Donc, pour le Gabonais lambda, tant que l'incidence financière n'est pas encore perçue ou bien n'est pas encore avérée dans sa solde, pour lui, il n'y a pas de régularisation. Il y a plusieurs agents publics, Madame le ministre, permettez, qui disent que ça fait 3 ans, ils passent à la fonction publique, ils se renseignent sur leur situation et rien n'a évolué pour parler de la régularisation administrative. Est-ce que vous avez interrogé récemment les agents publics de l'État? Parce que je crois qu'il y a des masses à mon service accueil. Combien ils sont là tout le temps. Combien de régularisations en un an? S'acquérir de leur situation. Alors, ce que je peux dire, c'est que avec l'aide du CETERI, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son excellence le général de brigade Brice Cotter-Obiligema, a octroyé des postes budgétaires à certaines administrations. Il faudrait dire que ces postes budgétaires octroyés, comme je l'ai dit dans mon exposé tout à l'heure, n'étaient pas un recrutement de nouveaux emplois, non. C'était une régularisation des situations des agents qui étaient déjà en activité, mais qui n'étaient pas encore recrutés. En fait, il n'y a pas eu de nouveaux fonctionnaires. Pas qu'il n'y a pas eu de nouveaux fonctionnaires. Il y a eu très peu de nouveaux fonctionnaires dans les postes budgétaires octroyés par le CETERI, parce que c'était plus d'abord une régularisation de l'existant. Et à cet existant, on a comblé le différentiel avec des nouveaux arrivants. Donc, et il n'y avait pas que les intégrations, il y a également ceux qui étaient déjà là. Il n'y avait pas que des intégrations. Vous savez, on a levé partiellement le gel en termes de recrutement et de reclassement depuis décembre 2020. En termes de recrutement, il s'agissait de recruter les sortants écoles et de basculer en agent public les présalariés. Il y a par exemple eu cette promotion des sortants écoles de l'ENES qui campaient devant vos locaux durant plusieurs mois. Est-ce que leur situation a été revue? Vous savez, l'entrée dans la fonction publique obéit à un certain nombre de règles. Dites-nous lesquelles. L'organisation d'un concours administratif est encadrée. Le sectoriel émet des besoins en recrutement. En ce sens qu'il se dit, j'ai un déficit de personnel, saisis la fonction publique et mets sur la table la fonction publique ses besoins en termes de profil, en termes de catégorie, en termes de hiérarchie. La fonction publique analyse l'opportunité du recrutement parce que avant que le sectoriel ne nous demande d'organiser un concours, il faudrait que le sectoriel nous donne d'abord la cartographie dans l'utilisation de ses effectifs.
Effectivement. Okay? Oui. Lorsqu'on se rend compte que le sectoriel a raison, à ce moment, on prend en compte son besoin en recrutement par le biais de l'organisation d'un concours. On se tourne vers les comptes publics parce que avant d'organiser un concours, il faudrait qu'on demande la disponibilité budgétaire au compte public, qui est le garant des finances. Donc, la fonction publique enregistre la demande du sectoriel, se tourne vers les comptes publics pour demander, par rapport au nombre d'agents sollicités, si, en fonction du nombre d'années, si c'est sur une formation sur 2 ans, on demande si dans 2 ans, au sortir de tel nombre d'agents à recruter, il y aura une disponibilité budgétaire. Lorsque le budget ou bien les comptes publics nous donnent l'aval, à ce moment, la fonction publique et le sectoriel, conjointement, organisent le concours d'entrée. Mais pour cette promotion, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, Madame le ministre. Or, il s'avère que on a mis de côté la réglementation. Il s'est avéré que des sectoriels ont organisé les concours sans associer la fonction publique. Or, lorsque la fonction publique n'est pas associée, à ce moment, les comptes publics ne sont pas aussi associés et il n'y a pas de prévision, de prévision en termes de disponibilité budgétaire au sortir des formations. C'est ce qui s'est passé avec cette promotion qui venait camper devant la fonction publique. Mais aujourd'hui, avec la restauration des institutions, nous passons aussi également par la restauration de nos textes de loi. Très bien. Depuis que j'ai pris le fauteuil, je me suis évertuée à redynamiser notre cadre juridique, notamment celui qui encadre l'entrée dans la fonction publique. Donc, dorénavant, ce type de problème ne pourra plus se poser. Parce que, avec les autres, nous nous mettrons toujours ensemble pour pouvoir mieux organiser un concours, pour mieux l'encadrer et pour mieux avoir les disponibilités budgétaires et le concours ne sera organisé qu'en fonction de cette disponibilité budgétaire dans le nombre de places possibles. Et pour ces étudiants, est-ce qu'il y a une issue ou pas? Lesquels? Mais ils sont en train d'être régularisés. D'accord. Il y a bien une issue. Très bien. Et c'est pour cela qu'on devrait encadrer. Vous voyez que lorsqu'on encadre un concours, au sortir de la formation, les étudiants sont automatiquement pris en charge par le budget de l'État parce que leurs postes budgétaires ont été prévus en fonction de la durée de la formation. Donc là, nous procédons maintenant à une régularisation un peu au forceps parce qu'il n'était pas prévu dans les budgets des années où on les met en solde. Mais leur situation a été prise en compte. Je crois qu'aujourd'hui, certains d'entre eux ont trouvé satisfaction. Alors, Madame le ministre, vous allez certainement nous donner quel est le nombre exact de fonctionnaires que compte le Gabon, du moins à votre niveau, puisque au niveau du budget, il a dit, lui, tient compte également des militaires, des forces de défense, et des sécurités, des magistrats, etc. Je préfère ne pas m'avancer sur cette question. D'accord. Parce que le chiffre que je veux vous donner, c'est par rapport à mon côté administratif. Or, celui qui détient les chiffres réels des agents publics de l'État ou bien des personnels qui émargent au budget de l'État, c'est bien le ministre des Comptes publics. On l'a eu et il nous a donné des chiffres. Oui. Moi, je ne peux pas venir les contredire parce que nos chiffres ne vont pas concorder étant donné que j'ai un pan que lui gère que je n'ai pas. Alors, c'était pour aboutir à une question, celle des... J'aime beaucoup l'enseignement parce que c'est la formation qui fait un peu de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Celle des enseignants, cette fois-ci, du secondaire. On a vu un cas qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, c'est au lycée Nelson Mandela où l'association des parents d'élèves a dû prendre dans sa poche pour payer certains enseignants bénévoles. Est-ce qu'au niveau de la fonction publique, puisque vous parliez tout à l'heure d'un besoin exprimé par votre ministère qui devrait motiver l'organisation d'un concours, est-ce qu'à ce niveau, quand vous faites face à ce genre de situation, il n'y a pas le besoin urgent de passer un recrutement direct? Rectificatif, le besoin n'est pas exprimé par le ministère de la fonction publique. Le besoin est exprimé par le sectoriel. Par le sectoriel, oui. Et j'ai toujours coutume de dire que le ministère de la fonction publique ne recrute pas. Je l'ai répété encore ce matin. D'accord. Pourquoi je dis que le ministère de la fonction publique ne recrute pas? Vous voyez, l'administration gabonaise, c'est comme un pâté de maison. Moi, je m'occupe de mon ministère qui est le ministère de la fonction publique et du renforcement de capacité. L'enseignant fait partie de la maison... ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle chargée de l'instruction civique. D'accord? Je ne peux pas être au courant de ce qui se passe
à l'éducation nationale si l'éducation nationale ne me saisit pas. Très bien. La fonction publique ne recrute pas en ce sens que pour que je puisse recruter un agent, il faudrait que le sectoriel me saisisse. Tant que le sectoriel ne m'a pas saisi, je ne peux pas me saisir d'une situation donnée. C'est le sectoriel qui me saisit, qui me dit, écoutez, moi je suis la maman de cette maison et dans ma maison, j'ai un enfant qui est mal en point parce que elle me donne les raisons pour lesquelles l'enfant est mal en point. Mm-hmm. À ce moment, je regarde, j'analyse la situation de l'enfant et je réponds à ma collègue en lui disant, voilà ce qu'il faut pour ton enfant pour qu'il puisse aller mieux. Oui. Il y a eu une situation déplorable à Nelson Mandela. Tant que je ne suis pas saisie par le ministère de tutelle, moi, en tant que fonction publique, bien qu'étant gestionnaire par excellence des agents de l'État, notamment des ressources de l'État, mm-hmm. je ne peux pas agir. Bien entendu, Madame le ministre, il y a quelques années seulement, 4 ans je crois, ou un peu plus, il y a eu un forum sur la fonction publique qui visait à redynamiser la fonction publique, à la rendre plus moderne. Aujourd'hui, il y a plusieurs défis, notamment dans les conditions de travail des agents publics. Est-ce que ce colloque a aussi été l'occasion de parler de ces conditions de travail? Outre les régularisations administratives, vous avez la charge également d'assurer finalement un bon cadre de travail à ces agents publics. Je ne dirais pas non, mais je veux vous dire ceci. J'ai une direction générale chargée justement de ces questions. Mais cette direction générale n'avait pas d'existence juridique en 9 ans d'existence. En 1 an, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, la première chose que j'ai eu à faire, c'est, comme je vous ai dit tantôt, c'est d'améliorer le cadre juridique de ma maison, notamment en donnant à cette direction générale qui est chargée dans l'une de ses missions de s'occuper de cadre de travail des agents publics, des conditions de travail des agents publics, oui. un texte juridique qui légitime cette direction générale. Mmh. Aujourd'hui, lorsqu'elle va se déployer sur l'ensemble du territoire, lorsqu'elle va aller en inspection, parce que c'est ça son rôle, autant l'inspection générale des services est là pour s'occuper des conditions de travail d'une administration, autant la DGMAP, qui est la Direction générale de l'administration publique, s'occupe des conditions générales d'emploi des agents publics. C'est-à-dire que cette direction a des missions interministérielles, elle peut intervenir dans n'importe quelle administration. Aujourd'hui, ayant une existence juridique, elle peut se déployer sur l'ensemble du territoire pour regarder les conditions de travail. Donnez-lui le temps de travailler. Il y a à peine, je crois quoi, en mars, que on aura l'occasion de revenir en mars prochain, donc, pourquoi pas, madame ça voudrait dire que là, ils ont maintenant une existence juridique, donc ils ont l'obligation maintenant de se déployer sur le territoire national pour regarder toutes ces questions. En matière de perspective, qu'envisagez-vous pour la fonction publique gabonaise? On a déjà commencé, déjà par l'amélioration du cadre juridique. Le renforcement des capacités des agents publics de l'État est une question cruciale pour le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Vous avez dû constater depuis un certain temps que je signe des conventions toutes azimuts. D'aucuns se disent que je perds mon temps, mais moi je sais ce que je recherche. Le Gabonais était habitué à aller à l'étranger pour aller se perfectionner. D'accord ? Or, lorsque les Gabonais allaient à l'étranger se perfectionner, de ce qui m'a été revenu comme information, il arrivait que dans certains pays, on créait des écoles spécialement pour les Gabonais parce que le Gabon a de l'argent. Vous pouvez vous imaginer ? Incroyable. C'est-à-dire que le Gabonais va à l'étranger pour se former, pour améliorer, son rendement, ses compétences. Mm-hmm. Et il tombe dans une école qu'on va créer de toutes pièces seulement pour les Gabonais. Et vous, comment vous inversez donc, la tendance? Au vu de cela, à la tête du ministère de la fonction publique, vous avez dû le savoir, je suis un pur produit maison. J'ai vécu un certain nombre de situations. Je me suis dit, pourquoi aller chercher à l'extérieur ce qu'on peut avoir sur le territoire national? Et les écoles, nous en avons de très bonnes écoles. D'où votre élan de signature. Les universités, nous les avons. Mm-hmm. Des très bonnes universités. Mm-hmm. D'accord? Et nous avons des établissements aussi bien publics que privés. J'en ai visité et je vous assure qu'il y a des établissements qui sont des très beaux cadres
et des très bons cadres de formation. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est peut-être de les mettre en une espèce de compétition, en ce sens que la fonction publique, signant les conventions avec ces établissements, lui permettra d'avoir un droit de regard. Toute administration confondue. Quand je dis fonction publique, je parle là maintenant en tant qu'administration gabonaise. Je signe les conventions, c'est pour l'ensemble des administrations. Ouais. L'ensemble des administrations doivent se reconnaître dans des établissements avec lesquels j'ai signé des conventions. Et le rôle de ces administrations, ce sera de se pencher sur les curriculats de ces établissements pour pouvoir les améliorer, pour les amener aux normes qu'ils souhaiteraient par rapport à ce qu'ils attendent de leurs agents. En termes de... Bon, maintenant, l'autre volet, c'est celui de ramener la formation sur le territoire national. Très bien. Pourquoi toujours aller ailleurs? Si on la ramène sur le territoire national, on gagne à plusieurs plans. On ne sépare plus les familles. Parce que généralement, dans une famille, lorsque c'est la maman qui va en stage, le papa reste avec les enfants, la famille est déséquilibrée. Quand c'est le père, c'est le même scénario. Or, imaginez, papa, maman, les enfants, tous à l'école. Mais se retrouvent tous les soirs. Et il n'y a pas trop de déséquilibre. Ramener les formations sur le territoire national, c'est un gain pour l'État. L'État ne va plus payer pour ces établissements qu'on crée spécialement pour les Gabonais. Vous voyez? Et ramener la formation sur le territoire national, ce serait former les agents publics de l'État, pour ne pas dire les agents civils de l'État, parce qu'ici, il s'agit seulement des fonctionnaires, oui, aux normes de notre réglementation. Parce que lorsqu'ils vont ailleurs, ce n'est pas la même réglementation. Nous sommes, même quand ils vont en Afrique, c'est des pays africains, certes, nous souscrivons dans les mêmes organisations et consorts, mais la réglementation n'est pas la même. Or, sur le territoire national, tout établissement implanté sur le territoire national, privé ou public, est obligé de respecter la réglementation en vigueur. Vous voyez que je gagne à plusieurs niveaux. Madame le ministre, c'est vrai que vous avez parlé des perspectives dans ce domaine, mais on aimerait savoir, surtout pour les étudiants qui nous regardent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément dans les écoles de l'État, mais qui sont peut-être dans les universités, est-ce qu'aujourd'hui la fonction publique gabonaise peut toujours employer? Est-ce qu'il y a espoir pour ceux qui vont sortir des universités avec des masters 2 en sociologie, en lettres modernes ou autres disciplines? Est-ce qu'ils pourraient avoir l'espoir d'être intégrés un jour dans la fonction publique? Est-ce que la fonction publique pourrait aussi intégrer certains métiers, notamment ceux du numérique, puisqu'on parle de nouveaux métiers aujourd'hui? Est-ce que, avec le besoin de numériser, de voir toute chose se digitaliser, est-ce qu'il n'y a pas une perspective, une voie qui pourrait s'ouvrir en ce sens-là? Vous savez, le bilan que j'ai fait tout à l'heure, c'est un bilan sur un an. Oui. Septembre 2023, septembre 2024. Il y a 10 ans, j'aurais pu répondre à cette question de manière claire, nette et précise. Mais aujourd'hui, ah oui, allez-y. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous avez entendu le Premier ministre tout à l'heure. 2012-2013, il a assigné la fonction publique. En ce sens qu'on a avancé les gens, on a payé les rappels. Oui. Mais nous sortons d'une période de presque 10 ans de gêne. Je suis obligée d'abord d'apurer l'existant. Ce qu'il y a là, qui était en attente depuis longtemps. Et après avoir résorbé tout ça, toute cette attente-là, ensuite il faudra redéfinir les outils, d'accord, de gestion de la fonction publique avant de me projeter dans ceux qui sortiront des écoles ou des universités. Donc ça veut dire je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir. Non, d'accord. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai Mais pas vous dit dites... cela. Il faudrait qu'on commence. Vous savez, c'est aujourd'hui, les efforts que nous sommes en train de faire, étant donné que nous sortons d'une longue période de léthargie, ne sont pas encore perceptibles. C'est dans 2 ans, 3 ans qu'ils vont commencer à porter leurs fruits. Vous avez entendu le Premier ministre tout à l'heure. Oui. Il a dit que ce n'est pas la force, c'est pas l'affaire du gouvernement. D'accord? C'est l'affaire des Gabonais dans son ensemble. Cette question doit être posée à tous les Gabonais. Parce que c'est notre maison. Étant donné que nous n'avons pas de pays de rechange, c'est à nous, tous, autant que nous sommes, de chercher à savoir quel est l'avenir
pour la fonction publique gabonaise. Ce n'est pas une question à poser au ministre de la fonction publique, c'est une question à poser à tous les agents publics, tous les cadres de l'administration gabonaise. Qu'est-ce que nous voulons pour notre fonction publique? C'est sûr. Comment nous projetons-nous demain après avoir, apuré tout ce qu'on a comme existant? C'est sûr que la question ne peut pas y répondre en un jour et même pas en quelques minutes, non. Puisque nous n'avions que c'est quelques réflexion minutes sur commune. Ce plateau. Donc, vous voyez que le simple ministre de la fonction publique que je suis ne peut pas répondre à cette question. C'est une question qui nous interpelle tous. Vous savez, on crie dans tous les secteurs d'activité. Le Premier ministre m'a fait l'honneur de venir inaugurer mon hémicycle. Je n'ai montré que deux bureaux au Premier ministre. Tout à l'heure, j'ai évoqué en disant, Excellence, je ne peux pas revenir sur les conditions de travail de mes collaborateurs. La fonction publique gabonaise, ce n'est pas que les agents, c'est aussi le cadre de travail, c'est aussi la réglementation. On a commencé, c'est un vaste chantier, on a commencé par reviser le cadre juridique. On va reviser le cadre de travail pour améliorer les conditions de travail avant d'exiger plus de nos collaborateurs et de nous tous que nous sommes. Merci beaucoup, Madame le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Je rappelle que nous étions avec Madame Louise Boukandou Moussa. Vous merci encore d'être passée sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.